Nous avons avec nous un jeune artiste, Bilal Boufragi, avec nous, à Kom Salam. Marhaba bikoum, bienvenue. Donc voilà, il a fait des tas d'expositions de la famille royale et nous allons lui poser quelques questions à propos de ses arts. Donc voilà, les petites questions, pourquoi la famille royale en fait ? Bah, tout simplement, c'était ma manière à moi de dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le pays, son peuple, le Maroc et les Marocains du monde. Donc c'était une manière à moi de le remercier pour tout ce qu'il fait de bien. Et vu que je suis un artiste de passion, de métier, j'ai voulu le représenter à ma manière, donc en donnant des couleurs qui ravivent la royauté, donner une autre image, une image très positive, et qui dit que c'est une image simplement d'une famille comme tout le monde, comme toutes les autres familles dans le monde. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que juste ils sont aimés par le peuple marocain. Et ça vous prend beaucoup de temps pour peindre tout ça ? Alors, il faut savoir qu'avec une exposition comme celle-ci, ça pourrait prendre en plus ou moins 2 ans. 2 années avec un long travail de recherche, de conception, de finalisation, de recherche de matière, de couleur, pour savoir quelle couleur faut mettre, pourquoi et comment l'approprier avec le visage. C'est tout un travail. Mais moi, j'aurais dit plus ou moins 2 ans. Et c'est quand que vous y mettez en fait à dessiner ? Et avoir cette créative d'un coup, c'est quand et comment ? Bah, déjà, le fait de dessiner, je le faisais déjà depuis tout petit. J'ai toujours voulu dessiner, j'ai toujours aimé dessiner. C'était, pour moi, je respirais avec le dessin. Sauf que j'étais quand même encore assez réservé. Je n'osais pas encore aller voir telle ou telle chose à pratiquer. Mais concernant Sa Majesté ainsi que le Royaume du Maroc, ça, c'était une idée que j'ai eue depuis très très longtemps. Donc, il fallait quand même encore essayer de savoir comment la ressortir. Et alhamdoulilah, c'est sorti comme il faut. Pour moi, en tout cas, ma manière. Comme je l'ai voulu l'avoir. Et donc, à part la famille royale, vous faites autre chose alors comme peinture ou pas ? Pour l'instant, j'ai d'autres projets qui ont rapport toujours avec le Maroc. Et ce sont des projets, bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est plus des projets artistiques qui ont rapport avec les musiciens, les comédiens, les artistes sportifs, tous ceux qui représentent le Maroc dans le monde. Voilà, mais ce sera pour plus tard, Inch'Allah. L'exposition, vous allez encore l'exposer autre part ? Non, pour l'instant, j'irai juste sur le Darkom jusqu'au 14 juin. Et on verra par la suite si j'ai des demandes. De toute façon, je suis ouvert à toute proposition du moment que ça rapproche les Marocains en Belgique et dans le monde, simplement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marhaba bikoum. Avez-vous encore autre chose à dire ? Non, juste venez nombreux et venez... venez nous rendre visite jusqu'au 14 juin, Inch'Allah. Marhaba bikoum. Merci, barakallahu fik, shukran. أكيد أن هذه الثقافة اللي كان نقلوها جيل عبر جيل فكل يعني الناس وكل الحضور اللي هما معنا كيشهد بأن هذه الثقافة هذه كتنقلها فكنشكر كذلك الجريدة ديال إميغو 24 اللي لها فضل كبير اللي كتكون حاضرة معنا في كل المناسبات في كل العروض في كل اللقاءات اللي كتنقلها لنا عبر المباشر مع سي سعيد والإكيب ديالو مع البنات اللي معاه فأكيد لكم واحد الفضل اللي هو كبير إميغو ماروكان ريزيدون على الخارج 24 حاضرة معنا في كل الحفلات في كل اللقاءات في كل التواصلات هذا هو اللي كيجعل أن هذه الأفكار وهذا التاريخ كينتقل من جيل لجيل فأكيد أن الدور كيلعب للصحافة وكنشكر جزيل الشكر إميغو 24 على الاستضافة ديالهم وشكرا. Alors Bilal Boufragi, c'est un jeune artiste issu de l'immigration marocaine, un garçon qui est né en Belgique, qui a décidé de se lancer dans sa passion qui est la peinture. Et le portrait plus particulièrement. Il a choisi le thème de la dynastie marocaine, notre monarchie, par amour, la patrie avant tout, parce que c'est un garçon qui est très très derrière sa patrie, son pays, son roi, pour qui il voue un culte inébranlable. Alors, la deuxième raison pour laquelle il a décidé de reprendre la monarchie marocaine, c'est un petit peu de sensibiliser les générations à venir, ici en Belgique particulièrement, et puis j'espère dans d'autres capitales, parce qu'il espère encore exposer dans d'autres endroits, les sensibiliser quant à la monarchie marocaine qui a ses spécificités, à un moment où le Maroc vit des moments un petit peu difficiles. Donc le mot d'ordre, c'est d'être tous derrière son roi, derrière la monarchie, derrière le pays. Donc c'est un petit peu les mots d'ordre politiquement parlés, et puis qui sont repris par l'art, puisque Bilal est un artiste.
Donc ce sont des portraits, comme vous le voyez un petit peu partout, de Sa Majesté, la famille royale en général. Aujourd'hui, je suis venue à Darkoum pour l'exposition de Bilal, que je trouve magnifique. Les portraits, les couleurs sont très, 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 tout est très vivant. On a envie de rester scotché tellement que c'est beau. Et en plus, c'est pour rendre à la fois un hommage au Maroc, mais aussi pour nous, en tant que Marocains résidents à l'étranger, nous sommes fiers de Bilal. Donc, à cette occasion, nous sommes venus en famille voir l'exposition et en profiter pour rencontrer de magnifiques personnes. Voilà. Bah, je trouve que ça fait plaisir qu'en Belgique, on montre comment est la famille royale. Et en plus, c'est vraiment beau comme cadre. Et, franchement, ça fait vraiment plaisir qu'on en parle quand même. Parce qu'en plus, on peut en savoir plus sur la famille royale, à quoi elle ressemble. En plus, on voit bien le drapeau du Maroc, donc on sait très bien que ça part du Maroc. Bah, premièrement, je trouve que les œuvres sont vraiment magnifiques. Je pense que ça représente vraiment bien les artistes marocains parce qu'elles sont vraiment très très belles. Il n'y en a pas une qui est moins bien que les autres. Elles sont toutes magnifiques et elles montrent vraiment la beauté du Maroc, aussi bien le pays en lui-même que la famille royale et l'image que le Maroc veut refléter. Et je trouve qu'en tant que fille d'immigrés marocains, c'est vraiment une fierté pour moi de voir tout ça aujourd'hui et de voir qu'aujourd'hui en Belgique, le Maroc a quand même une importance et que ça suscite quand même qu'on a quand même des œuvres magnifiques exposées ici et qu'on est quand même tous aujourd'hui là pour le Maroc, pour un pays très prometteur et qui me tient très fort à cœur. Je trouve que c'était une très bonne initiative, cette exposition de notre artiste Bilal Boufragi. Je connais M. Bilal Boufragi depuis une dizaine d'années. Je lui connais ses talents d'artiste. J'ai toujours vu en lui de vrais talents de peintre et artiste. Je trouve que cette initiative de faire des portraits de notre majesté le roi Mohamed VI est une très très bonne initiative. C'est une première, je pense, ici à Bruxelles. Et on a pu voir et découvrir les différents portraits. Ils sont tout simplement magnifiques, notamment ceux de notre roi Mohamed VI, mais aussi de toute la famille royale. Je pense que c'est quelque chose qui doit être dupliqué dans d'autres villes en Belgique, mais aussi en Europe et peut-être également au Maroc, parce que ce sont quand même des portraits qui sont vraiment réussis, faits d'une manière professionnelle sur de la toile. Thank you.